L'esplanade du casino municipal de Biarritz avait un air de fête cet après-midi, avec répétition de tamborada organisée par les Ikastola, école immersive en basque. Mais normalement, la tamborada c'est en janvier. Alors, erreur de calendrier ? C'est l'éducation nationale qui l'a fixé. Peut-être malgré eux, hein, mais on n'arrivait pas à se faire entendre. Alors ben, voilà, nous on a ce moyen-là au Pays Basque. Donc voilà, c'est le jour de la tamborada. Alors résonnez tambour. Et c'est avec un bel ensemble que le cortège de près de 5000 élèves, parents et enseignants s'est ébranlé pour demander les 25 à 30 postes de professeurs nécessaires à la rentrée. Tout l'enseignement se fait en langue basque pendant des années, depuis la maternelle jusqu'au lycée, voire l'université pour certains, et on ne nous donne plus de moyens. Et par le biais de la gaieté, nous montrons notre colère. C'est une politique délibérée du gouvernement pour tuer les langues régionales, donc Ashki, comme on dit chez nous, ça suffit, il nous faut un signe fort de Paris, il nous faut les postes, il nous faut les autorisations pour ouvrir des classes dans les écoles immersives publiques, donc Ashki. Ikastola, école publique et privée, bilingue, même combat pour la langue basque. Rappelons que Cheashka scolarise 3700 élèves.